Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette magnifique boucle d'oreille au crochet. Si tu es nouveau par ici et que le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à me laisser tes impressions dans les commentaires. C'est parti. Nous aurons besoin d'un crochet de 2 mm, du fil, d'une attache et de la colle pour les finitions. On va commencer par faire un nœud magique comme ceci. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans notre cercle magique, on va faire 12 brides. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9, 10, 11 et 12. On va tirer notre fil. Ensuite, on va faire une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Toujours dans le même espace, on va faire une bride. Une. Dans l'espace qui suit, deux brides. Une. Et deux. Dans l'espace qui suit, deux brides. Une. Et deux. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace qui suit, 2 brides. 2. Dans l'espace qui suit, 2 brides. 1. 2. Dans l'espace qui suit, 2 brides. 1. 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace qui suit, 2 brides. 1. 2. 2 brides dans l'espace qui suit. 1. 2. Deux autres brides. Une. Deux. Trois mailles en l'air. Une. Deux. Trois. Deux brides dans l'espace qui suit. Une. Deux. Deux autres brides. Une. Deux. Deux autres brides. Une. Deux. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On fait une maille coulée. Maintenant, on va faire quatre mailles en l'air. Une. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, on va faire une double bride qu'on ne va pas terminer. On a deux mailles sur notre crochet. Une première double bride. Une deuxième.
une troisième. Une quatrième. On a cinq boucles sur notre crochet. On va les écouler toutes ensemble. Voilà. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace qui suit, on fait 5 doubles brides qu'on ne va pas terminer. Une première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Une cinquième. Maintenant, on a six boucles sur notre crochet qu'on va écouler tout ensemble. Cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. On va faire les doubles brides ici. Un, deux. Dans la maille qui suit. Une première. Une deuxième. Une troisième. Quatrième. Et la cinquième. On a six boucles sur notre crochet. Et on va les écouler tout ensemble comme ceci. Cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. On va faire cinq doubles brides dans notre espace qu'on va terminer ensemble. Et on va continuer avec les autres. On se retrouve juste après. Cinq mailles en l'air. Une, deux, 3, 4, 5. Une maille coulée ici, au sommet. Voilà, on a terminé. On va faire 5 mailles serrées dans notre espace. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va continuer avec 5 autres mailles serrées dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans l'espace qui suit. On fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 5 autres mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace qui suit, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 5 autres mailles serrées. 1,
deux, trois, quatre, cinq. On fait une maille coulée. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air et on va couper le chien. Voilà, on a terminé. On va faire rentrer le fils ici. Notre boucle est terminée. On va mettre notre attache. On va mettre notre attache comme ceci. On va mettre la colle sur les bras. Puis on va couper. Voilà. Vous pourrez repasser si ça tire trop. Voilà. Nos deux boucles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!